Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokémon Version Ultra Ster. On se retrouve directement dans la maison de la championne fée. J'ai directement... ça a pas changé, juste voilà, j'ai changé l'ordre. On va pouvoir commencer directement avec Carla et on va défoncer la meuf de type fée. Si tu es là, c'est que tu es prête à passer mon épreuve, n'est-ce pas? Absolument. Ah bon, bah on y va alors. Alors le contenu de l'épreuve, j'ai pas besoin de te faire un dessin, on se bat tu vois. Allez, je la défonce, quand tu veux. Je suis sûr elle a un type insecte, un type acier je crois. Oula. Ah merde, c'est team random. Quoi? Merde, je croyais que c'était type fée. C'est pas grave, ça tue quand même. 91. Ouah. Pas le choix. Faut que je la laisse crever. Pas le choix. Ok, je me suis fait surprendre. Ça ne se passera pas comme ça. 91. Oh là 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 là. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais... sans déconner. J'avais prévu d'aller jusqu'à Gladio aujourd'hui, mais... mais on va jamais y arriver avec ça. Wouah. Hey. Ça va les dégâts? S'il me crée, je suis mort. Ok. Allez, tue. C'est bon. Putain. Ah, il m'en a one shot 2. C'est quoi ça? Maganon. Il peut rien faire contre lui normalement. Et la canon Dynamax. Non, c'est pas vrai. Mais ça serait rigolo, tiens. Oh oh. Oh, je me suis fait minder. Oh, les attaques du type O vont être réduites de de moitié. Oh, j'aurais tout shot. En vrai, il me fait rien. Non, il va me tuer. Je suis sûr qu'il va me tuer. Non, c'est bon, ok. On va juste le tuer avec Oukroupi. C'est pas grave, tant pis, on se prend le soleil, mais vaut mieux ça que... qu'il puisse en bénéficier d'une quelconque façon. Ok, c'est bon. Là, normalement, le soleil devrait partir au tour prochain. Diancy. Non, ça devrait aller, je pense. Diancy. Méga. Bon. Ah, merde, il est type fée. Toxique. Ok, mieux en lumière, parfait. Très bien. Mais surtout... oh putain, il a mis en magique. Et du coup, c'est moi qui prends. Quoi? Oh fuck. Oh, comment je pouvais savoir? Ouais, je suis mort. Je savais pas. Métalos, normalement, c'est le contre parfait. Normalement. Point météore, ça tue. Ça tue, normalement. C'est physique. Il a pas protection. Allez, ça tue. C'est x4. Voilà. Comment on tue un Stracy? Eh ben, comment on tue Mega Diancy? Putain, c'est hardcore. C'est hardcore. Gouroutan. En vrai, je peux peut-être essayer de me boost sur lui. Normalement, c'est pas... ah si, attends. C'est pas full hypnose, ça? Je tente le coup, hein. Non! En plus, c'est super efficace. Oh là là. Je peux même pas me setup sur lui. Bon bah s'il a calinerie on reste là dessus hein. En vrai. Bah ouais j'ai pas le choix. Il a calinerie ce machin. Mais d'où? Heureusement il est pas physique hein.
Bon, ça va, il fait pas de dégâts. Ah, c'est vrai, j'ai pas fait de dégâts parce qu'il avait mur lumière. C'est vrai. C'est quoi le plus efficace? Ah, pour météore. Quoi? Pardon? D'où il a séisme? C'est une blague. Et en plus il est plus rapide que moi. Ok. Je suis dans le caca. Je peux pas me boost. Oh, il va me tuer. Putain, mais c'est quoi ça? Je peux rien faire. Legit, je peux rien faire. C'est quoi ce gourou tank qui a des attaques qui n'a que des attaques pour me contrer? C'est quoi ça? Putain. Bon, Carla, c'est la seule qui tank. Bah là, il one shot, hein, forcément. Ouais, on va y aller sur Carla, hein, j'ai pas le choix. S'il a une attaque feu, je te jure, je pète un câble. Une attaque feu ou acier. Il a séisme et... Calaneri. Normalement, Carla tank. Je sais pas comment faire. Mais non! Lame de rock. C'est une putain de blague. Non, mais oui. Bon, ça, ça va, c'est... Ouais, non, ça va, c'est la pire méga, ça. Tête de fer, ça tue. Ok. Il fait quoi? Oh, quoi? J'ai vu quoi? J'ai vu quelque chose royal, j'ai pas vu. Non, mais ça va, hein. Non, mais oui, c'est de la merde. Hein. C'est vraiment la pire méga. Hein. Oh, double crit! Bon, hé, hey, t'abuses là! Troisième crit? Triple kill? Non, malheureusement. Bon. Et son dernier, c'est quoi? Rexilius. Il peut rien me faire. Oh, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouf! Guérison? Je te jure, je la... Ok, crit. Un PV, non, c'est bon. T'as par contre, là, ça y va les crits, hein. Eh bah, t'as pas perdu ton temps dans ton tour des îles. Alors, comme t'as gagné, je te donne un pétale rose. C'est super chou, on est d'accord, mais attends, je t'ai pas tout dit. Il y en a 6 autres de toutes les couleurs. Le but, c'est de faire une œuvre multicolore pour que t'as... Alors, pour avoir les autres pétales, il faut que t'ailles défier tous les autres capitaines. Mais je sais, c'est censé être mon épreuve et tout, mais j'attends l'aspiration, je suis occupé, tu vois. Ok. Il faut que j'aille voir Altéo, tout ça. Attends, on va se heal avec tu sais quoi, hein. Mais sans déconner, je me suis fait démonter là. Ah, c'est pas du tout faire le ferno. Eh, moi aussi, je suis trop fier d'avoir battu Altéo, mais tu pourrais m'attendre quand même. Oh, bah t'es là, Gladio m'a tout raconté. Alors comme ça, t'as sauvé Alola, c'est trop la classe, ça. Je suis content de m'être lancé dans le tour des îles avec avec une dresseuse aussi balèze. Mais il va pas croire que je vais te laisser toute la gloire, hein. Avant, j'y allais tranquille pendant les combats, mais je réalise maintenant que c'est pas cool pour nos Pokémon. Eux, ils se donnent à fond. Pas vrai, Félinferno? Alors, t'es pas Félinferno du tout. Hein. T'inquiète pas, moi aussi, je suis trop à fond. Ensemble, personne pourra nous battre. Au fait, j'ai un cadeau pour toi, c'est un Max Elixir, tu vois, il est trop cool. C'est LE truc à avoir quand t'es coincé dans un combat qui n'en finit pas. On se fera un vrai combat sérieux à la fin de notre tour des îles, hein? J'en ai peut-être pas l'air comme ça, mais j'ai beaucoup réfléchi. Pour être le plus fort, il faut comprendre ce que ressentent ces Pokémon, c'est pas évident. Alors, mais je vais tout donner pour y arriver. Ok. Alors, on valide avec qui? Ah, c'est vrai que c'est aléatoire. Bon, bah on va laisser Carla.
C'est aléatoire du coup. Salut petite tête, sympa tous ces Christos Z. Bon, c'est un peu trop chic pour un tel accoutrement, mais je te pardonne. Après tout, je t'aime bien quand même, malgré tes fashion faux pas. Je sais ce que je devrais faire. T'as envoyé un stage chez ma mère. Elle a la classe. Elle est actrice, tu sais. Dans le milieu, on la surnomme Baronne du bon goût. C'est à elle et son sens inné de l'esthétisme que je dois cette fabuleuse coupe de cheveux. L'apparence et l'image qu'on projette sont d'une telle importance. Quand je suis devenu capitaine, je me suis dit que je devais me montrer digne d'elle. Enfin, je suppose que tu n'es pas venu pour me voir pour prendre des leçons de style. Ce serait trop beau. On se fait un petit combat pour voir comment tu progresses sur les autres fronts. Avec joie. Parfait, faisons ça maintenant. Après, j'ai ma mise en pli. On s'en fout de ta mise en pli, en fait. Ah, quoi, quoi. J'ai bien fait. Tempête florale, écoute. Comment ça, croc fatal? Non mais des surprises, j'en ai tout le temps. Non. On peut le faire. Ok, d'accord, c'est son méga. Très bien. Oh, merde. Oh, bah, feu d'enfer, ça a pas de précision aussi. Ça a 50 de précision. Tu m'étonnes que ça marche pas. Un quartermac. Alors là, par contre, on va devoir y aller avec AE. Haru. Attaque. Extra sensor. Allez, ciao. Wouah. Crit. Oh non. Oh, il me tue. Oh non, c'est pas vrai, il me tue. Il faut qu'il rate un vitesse extrême. Oh mon dieu, les dégâts! On switch, on va prendre Metalos. Ça sert à rien, je vais perdre mon temps. J'ai pas envie de le pépé stall. Lol. Putain, si j'avais su, j'aurais tapé. Quoi? Mais vous pouvez arrêter? Pourquoi ils ont tous des moves de coverage? L'exacte faiblesse de ma team. Il va me tuer. Il va me tuer. Sans deck. Putain, je te jure. Dimoré. Ben non, j'ai aucune chance. Ah putain, Dimoré est plus rapide que moi sur tous les sens. Ah, il fait chute glace, je vais prendre cher, je peux. Oh, j'ai trop. J'ai des faiblesses qui sont trop importantes. Ma team, elle a beaucoup de faiblesses du même type. Notamment insecte, fée, acier, poison, tous ces trucs-là. Et bizarrement, j'ai que ça. Je n'ai que ça. Oh là là, si c'est l'attaque glace, je suis dans la merde. Ok, c'est bon. Ça, je peux tanker. Ça veut dire qu'il a une attaque normale. Il doit avoir tranche. Oh les dégâts. Putain. Lockpin. Oh non, ah si c'est le méga par contre. Yuri peut-être. Oh mais bien sûr, 2 mégas pour le prix d'une. Heureusement qu'il est type combat. Quoi? Non, 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 je suis mort, je suis mort. Oh. En vrai, si je fais abri et qu'il fait pied voltige, on est d'accord qu'il s'écrase.
Yes. Du coup, il rate. Ok, parfait. Mais non. Oh, il a raté. Oui, crasse-toi. T'es mort. Ça servait à rien de crit sur un PV. Merci, mais c'est inutile. Hein. Putain. On va réaffronter tous les boss. On va réaffronter tous les boss, les gars. On va réaffronter tous les boss. Début calme. Bon, ça va. Celui-là, il a début calme, par contre. Heureusement. Ouais, toxique. Hein. On sait jamais. Il est lent. Je sais même pas pourquoi le griffe vive. Griffe s'est activé. Au moins, il a ça. Représailles. Au moins, comme ça, il perd de la vie. Mais ça sert à rien de déclencher le vive griffe. Hein. Bon là par contre je vais prendre cher. Oh ça va, j'ai pas fait beaucoup. Ah il a petit coup de boule. Voilà, je le tue. Il a à portée de kill franchement. Oh là. Ça va, le poison le tue. Le poison le tue, y'a pas de soucis. Voilà, pas de potion. Hop là, la victoire t'appartient. Tu as toujours un zéro pointé sur le style, mais niveau combat Pokémon, tu te défends. Pour la peine, je te donne ce pétale orange. De toute façon, il ne me va pas, hautain. C'est toi qui es hautain, oui. Tu as bien suivi les explications d'Oléa, c'est le deuxième pétale que tu reçois. Je me demande ce qu'il se passera quand tu auras les 7. Ah, au fait, j'ai vu Tilly qui s'entraînait dur sur le sentier de Mahalo. Son goût vestimentaire laissait toujours à désirer, mais il a drôlement gagné en puissance. Je t'accompagne jusqu'au capitaine suivant, avec plaisir. En route pour la jungle sombre feuille alors. Toujours une joie d'aller à Akala. La jungle sombre feuille. Son ragoût si spécial. Sans rien, je ne sais pas ce qu'elle met dedans. J'ai beau me laver les dents 10 fois, il y a toujours un arrière-goût qui reste. Burk. J'espère que tu as l'estomac bien accroché. Allez, c'est parti. Attends, tu me soins? Non. Bien sûr. C'est de toute beauté. Mais non, je voulais pas faire ça. Oh bon, tant pis. On va avancer un petit peu. Ah oui, y a pas un bail de drogue chelou avec elle? Ah! Mince. Oui, merci, au revoir. Bonjour. Aussi. C'est un Pokémon qu'on n'a jamais vu. Bah c'est normal, on va jamais dans les herbes. C'est pas le but de la série, hein. Par contre, les guérisons, je commence à être ric-rac, là. Hein. Les super bonbons, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Mais je pense qu'on va les utiliser avant la ligue. A mon avis, à un moment, il faudra que je passe niveau 100. Parce que là, j'en peux plus. Hein. Elle fait quoi, là? Ah! L'aromathérapie. J'adore cette capacité. Je me sens si détendu. Oh, c'est de la drogue. J'ai l'impression d'être une fleur qui s'épanouit. C'est bon pour le corps et l'esprit. Oh, elle se drogue. Est-ce vraiment une bonne idée de te laisser aller à ce point, Barbara? Tu risques de te retrouver prise au dépourvu si un visiteur arrive à l'improviste. Ah! Non, non, j'étais pas en train de fumer du shit. C'est pas vrai. Tu es là depuis quand? Pas grave, je m'en fiche. Tu peux bien regarder, je faisais rien de mal. Je communiais juste avec mes Pokémon pour savoir ce qu'ils allaient manger. Je crois que tu es plus doué pour la détente que pour inventer des excuses, Barbara. Oh, ça me fait du mal. Ça me fait mal au cœur de la voir Barbara dans cet état. Je me battrai pour protéger son secret. Tu veux te battre? Avec joie. Oui, vous m'avez cru, je voulais juste un prétexte pour me battre contre vous. Pendant qu'il y en a une qui se bat, l'autre elle se drogue. Non, oh, tout va bien. Une petite injection de méthamphétamine, hein, pourquoi pas. Un petit peu de morphine. Ok, on commence avec de la merde. Ah non, ça va. Alors lui par contre, il a ce qu'il faut pour me tuer. Et moi aussi. Adieu.
Ouh, j'ai mal à la nuque. Seriflor. Ouais, ça va, on le tue. Ça, c'est de la bite, ça. Tiens. Tu vas éclore, Pico. Ça va, c'est que t'es Pico. Hop là. Coup critique. Ça jouait pas. Non, ça jouait pas. Le Axe n'a pas joué. Sharpedo. Là, par contre, je crois qu'on va changer. Ça. En vrai, il a quoi pour me tuer? Non, il a pas grand chose. Hein. Il a mâchouille, morsure, des attaques haut. Ouais. Ok, d'accord. Un Mega Shiny, très bien. Pouvoir lunaire, ça tue. Provoque. Ouais, pourquoi pas. Ok, Sharpedo, mort. Tranchodon, ça meurt, parfait. Excellent. Bonne attaque. Vampirisme. Oh là. Oh là 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 là. Ok, ça va. Mais il fait mal, hein. Bon, je peux en tanker un deuxième, mais quand même. Un crit, nice. Là, je pense que le crit jouait, par contre. J'aurais peut-être pas tué, sinon. Flagados. On switch. Flagados. Qui peut s'en débarrasser? Bah, toi. Est-ce que Flagados serait dangereux pour moi? Méga, non méga. Méga. Mais pourquoi méga? Explos nuit. Oh, je suis plus rapide. Oh, bah si j'avais su, je me serais... oh, bah, bon. S'il a rien contre moi, je vais me booster. Hein. En vrai, elle peut faire guérison. Bah oui, mais... Ah là, avec ma machination, mec, enfin, fille, meuf, ta guérison, elle sert plus à rien. Hein. Parce que là, là, maintenant, je one-shot. Salut. Comment ça? Ça change rien. Ça change rien, ça change rien. Parce que t'es mort. Kyogre. Oh, putain, c'est vrai, j'avais oublié ça. J'aurais dû me booster plus. J'aurais dû me mettre plus 6. J'ai complètement oublié Kyogre. Oh putain, il est primo. C'est vrai. Bon. On fait comment? On fait comme ça. Gicledo, je suis mort. Oh! Vas-y, tue. Tue-le. Un petit crit. Non. Coup critique. Si, ça a crit. Parfait. Sa précision baisse. Allez, rate ton attaque. Glaciation. Ok, bah, free win. Merci Kyogre, au revoir. Oh, je te jure. Là, on va affronter Kyavé du coup. Tiens, ton pétale vert, c'est bien parce qu'on, c'est bien parce que c'est l'épreuve d'Oléa que je te le donne. C'était pas du tout pour acheter ton silence, pas du tout. Bien sûr. T'inquiète, je dirais pas que tu te drogues. Voilà, voici un pétale bleu. Saviez-vous que ce pétale était dessiné d'après les écailles de Froussardine? Voyons voir, après nous, tu vas voir Kyavé, c'est ça? On t'accompagne jusqu'au parc volcanique? Je trouve que c'est bien beau, c'est très beau cet enthousiasme. Je suis ravi de vous accompagner. Il fait toujours aussi chaud au parc volcanique. Cela m'a fait plaisir de faire un bout de chemin avec vous. Amusez-vous bien. Les filles, tu veux pas utiliser Bulldo avec ta rambule histoire de rafraîchir un peu l'air? Hop là. Bon, je pense qu'on peut y aller. Mais non. Non, mais. Ah! Ah oui, c'est vrai qu'on affronte d'abord un montagnard. Bon, on le défonce. Alolaï? Ouh! Oui, surprise, qui suis-je? Un montagnard mal rasé. Ah là, la bonne blague, ça me fait plaisir de te revoir. Je suppose que tu cherches Kyavé. Tu vois plus qu'il est juste de rentrer. Merci de t'être occupé des lieux en mon absence, Fabio. Tu rigoles, mon pote, c'est un plaisir! On a dansé comme des fous avec les ossatueurs. Oui, c'était pour te tester comme un baptême du feu. Vu tes progrès, je pensais te proposer de devenir capitaine. Faudrait pas mieux prendre un dresseur sérieux pour moi, pour ça? Parce que moi, franchement, j'ai qu'une seule passion de la vie, c'est la danse. Tout le reste, ça me barbe. Je vois. Tu es là pour l'épreuve d'Oléa. Je suppose que tu brûles d'impatience de m'affronter. Pas qu'un peu, allons-y.
Ça fait plaisir de voir un adversaire au sang chaud. Oh là là, ces expressions à deux balles. Allez, on le démonte. Armaldo. Moi qui pense aller jusqu'à Gladio, bah non, on va couper après ça, je crois. Armaldo, on a de quoi le défoncer. Vas-y, hydroqueux. Non! Mais non, tu fais exprès là! Comment tu peux esquiver ça? Sans deck! Est-ce qu'il a quelque chose contre moi lui? Bah, à part bout de feu. Bout de feu, c'est vrai que ça fait très très mal. Oh, il a esquivé! Il est plus rapide que moi, là. Donc bon. Oh, vitesse extrême! Pouf! Camérupt, on le défonce. Méga, c'est pareil. C'est x4. Hop là! Il est seul feu. Alors, c'est vrai que Groudon peut pas utiliser d'attaque haut, on n'oublie pas. Fortress, non, je crois que je peux me booster sur lui. Il me semble. Machination. S'il te plaît, fais pas un truc chiant. Ah oui, c'est ma merde! Fais pas gyroball. Ok, c'est bon. Ok, s'il fait que ça, c'est pas grave. Là, du coup, s'il a des attaques assiège, je suis dans la merde. Allez, je refais une... Ah, je grid. Je grid. Quoi? Oh là là! Par contre, pour Groudon, il faut que je sois au top. Hein. Il tape en premier. Merde! Psst, il va peut-être me tuer. Tiens le coup, tiens le coup, tiens le coup, tiens le coup! Non! Oh putain! Mais vas-y! Je vais galérer contre Groudon. C'est quoi ça? Ah bah oui, mais c'est parce que c'est la Toxizélite. Oh non, j'avais oublié ça. Bah oui, mais bon, j'ai pas grand chose quoi. Ok, ça sert à rien de mettre Je peux rien faire. Bon, lui au moins il me fait rien, je le sais. Rapace. Bon, au moins il suicide. Déjà ça. Faudrait que je trouve un Pokémon qui est pas trop dangereux pour Zoroark. Que je puisse le faire utiliser machination dessus. Ah, bientôt niveau 80... 90. Hein. Galopa. Bon, on va le tuer lui par contre. Parce qu'il a, il a peut-être Bélier ou tout ce bordel. En vrai, je vais tenter quand même. Rebond. Ça va, rebond, c'est pas top. Hop, il a raté. On switch. C'est vrai que j'ai pas demi-tour. Ni change éclair. Rebond. Ça va, ça va, ça va. On va se boost. S'il fait rebond, c'est facile de boost. Ouais, ça va. S'il fait que rebond, honnêtement, j'ai largement le temps de me boost. En espérant qu'il fasse pas rebond en premier à chaque fois. D'accord, il a bout de feu aussi. Putain. Bon, là, je suis à plus 4. En fait, sans Zoroark plus 6, je pense... Je suis pas sûr de tanker enfin, je suis pas sûr de défoncer le Groudon. Hein. Je peux pas utiliser mon attaque haut, hein. je vais faire explos nuit. Des flags. Okay. Ah ouais, les dégâts quand même. Hein. Bon, on va se débarrasser de lui parce qu'il a bout de feu. Oh non, il va me tuer. Je suis mort. Non, c'est bon. Et meurs, 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 meurs. Faut que tu meurs. Pas de bout de feu, s'il vous plaît. Plus de bout de feu. Arrêtez maintenant avec ça.
au massacre, ça, ça va. Bon, je sens le cage éclair, mais... Guérison. J'ai remarqué un truc, c'est qu'il y a très très peu d'attaques défensives sur les Pokémon. Très souvent des attaques offensives. Ouais. C'est peut-être qu'il est mal... C'est peut-être pour ça qu'il est mal équilibré le jeu. Parce que les adversaires ne prennent pas le temps de se défendre. Faudrait voir ça dans une prochaine version, on verra pour corriger le truc. Je sais plus si ça on est d'accord. Parfait. Là je pense que le Groudon je le démonte. Parfait. Là je pense que c'est bon, le Groudon on le démonte. On s'est un peu loupé pour Kyogre, mais on se rattrape sur Groudon. On sait que là du coup ça sert plus à rien de faire Vibraquoi, il assèche tout. Ça tue! Bah voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est mieux comme ça. De toute façon, c'est quoi le mieux? Un Vibraquoi à 62 puissance sans stab? Ou un Exploduit à 90 de puissance avec du stab? C'est mieux. Même si c'est x2 avec Vibraquoi, Exploduit, t'as le stab. C'est plus intéressant. Bah non, ça t'aura donc pas suivi. Je n'en reviens pas. Alors, hihou! Ok, d'accord, il veut se battre. Bon, lui, c'est un random. C'est comme s'il y avait 8 Pokémon au final. Ah, lui, j'avoue, on aurait pu limite lui en mettre 6, ça aurait été rigolo. Non, on va pas faire ça. Ah, mais c'est pas possible ça! Fatal Foudre! Et en plus, il attaque en Prumps. Level 86, comme moi. Non, faut switch. Faut que je prenne un Pokémon qui tank. Yuri tank. Ça tombe bien, j'ai une attaque sol. Pourquoi? Arrête de réussir! Mais c'est pas vrai! Mais putain! Cage éclair quoi! Merci l'affinité! Il va spammer, il va spammer. Bah bien sûr, il va spammer! Finalement, j'aimais bien quand il bourrinait. C'est moins chiant. Mais! Si j'enlève la paralysie, il va la remettre! Tue-le. Voilà. Au suivant. T'as le pire quoi. Kabutops, ça se tue. Oh, il a rien lui. Ah, il peut pas avoir Ah mince, c'est vrai. C'est pas grave, ça tue aussi. Oh, vas-y. Ok, c'est bon. Merci l'affinité. Ça tue. Ok, c'est bon. Oh, je peux respirer maintenant. Merci. Ce brave montagnard brûlé de t'affronter lui aussi. Vous voyez, j'ai le rythme dans la peau, je peux pas m'empêcher de danser. Tu t'es bien battu. Pour la peine, accepte ce pétale rouge comme la braise. L'énergie brûlante du mont Wella coule dans nos veines. L'étape suivante de l'épreuve d'Olea se déroule à l'observatoire. Je t'y accompagne. Oui, avec joie. Parfait, allons-y. Alors, je sais plus si on fait Chris en combat ou si on fait Margie, enfin Margie Dan, avec Dracofeu en Pokémon tueur, le mot que est à portée d'elle. Passe un bonjour à Chris de ma part. Ouais. Mais on va s'arrêter là parce que l'épisode commence à devenir un peu trop long. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Je vous dis à tous. Bye tout le monde.